Bonjour à tous, cette semaine nous allons revenir sur un sujet qui va nous accompagner pendant de longs mois, c'est celui de la réforme des retraites. Vous le savez, Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir un nouveau grand débat, on l'avait laissé avec le grand débat sur les gilets jaunes, le voilà de retour avec le grand débat sur les retraites. Alors est-ce qu'il réussira là où tous les autres ont échoué Est-ce que cette réforme des retraites est la réforme impossible pour tout président de la République On en parle avec mes deux invités. Bonjour Benoît Simian. Bonjour. Vous êtes le député Leroem du Médoc, de Gironde donc je ne vous présente pas, on vous connaît. Euh, merci d'être avec nous en plateau pour débattre de ce sujet. Et avec nous également Stéphane Aubé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau euh, responsable de la CGT 33. Mmh. Le nouveau secrétaire général voilà. de l'Union départementale. Pour l'appellation exacte, secrétaire général de l'UD 33 de la CGT. Merci d'être avec nous en plateau. On va parler des retraites. Mais avant cela, messieurs, je voudrais qu'on commence juste par un mot sur Jacques Chirac. C'était l'actualité de ces derniers jours, bien entendu. Mmh. L'ancien président de la République a été inhumé lundi. Je voudrais qu'on revienne un peu sur euh, l'homme d'État. L'homme d'État Jacques Chirac, Benoît Simion, vous qui êtes un député de la majorité, qu que, quelle image restera de, pour vous de l'ancien président C'était incontestablement un homme d'État, un amoureux de nos territoires. Nous sommes à Bordeaux, ici, un territoire de la modération qui a eu son plus fidèle héritier, Alain Juppé, aux manettes de notre ville. Donc, en effet, comme tous les Français, très attachés à ce personnage qui a été rendu populaire dans ses caricatures aussi par les guignols, avec le franc-parler qu'on lui connaît. Et puis, je retiendrai surtout... Euh, sa passion euh, pour l'océanie, euh, je partage euh, cette passion. Ventre, oui, de et, inésible, puis, euh, et puis les relations internationales, il a marqué durablement euh, la voie de la France euh, dans les relations internationales. On se souvient tous euh, lorsqu'il a résisté euh, à la guerre en Irak, euh, à son discours euh, quand il a dit notre planète brûle. Euh, Johannesburg, 2002. Qui, Johannesburg 2002. Et on regarde ailleurs. Euh, qu il a aussi, qui a aussi frappé les esprits. Donc vraiment un amoureux des territoires qui savait parler aux Français sans arrogance, avec cet amour de la terre, et c'est ça son, son ancrage corézien, et à la fois euh, totalement épanoui dans le microcosme parisien, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'on fait avancer les dossiers et donc euh, c'est tout le paradoxe de jacques chirac qui a séduit qui a su séduire euh, les français euh, et donc forcément moi j'ai été bercé dans ma jeunesse euh, dans ces, ces années chirac euh, les années mitterrand euh, c'était une période politique passionnante aujourd'hui euh, une page se tourne, page se tourne. Euh, et c'est place au, au renouvellement politique. Alors justement, Stéphane Aubé, vous pour vous la CGT, quel regard vous portez sur euh, Jacques Chirac parce que c'est l'homme de la fracture sociale. Vous vous souvenez de ce slogan campagne présidentielle de 95, la fracture sociale. C'est lui qui a créé aussi le ministère de la cohésion sociale. Euh, Peut-être qu'il y a un, un regard à nuancer sur euh, l'action de Jacques bon. Chirac, <coughs> président de la République. Nous, la CGT euh, ou ça on... reste un homme de droite pour vous. Alors, à la CGT, nous ce qu'on juge c'est les actes. Alors évidemment, c'était un homme politique, un politicien, un homme de parole. Euh, quand je dis parole, c'est-à-dire qu'il savait manier les mots. Donc on se souvient de la fracture sociale, on se souvient de la maison qui brûle. Maintenant, il faut regarder les, les conséquences qui y aujourd'hui dans le pays. C'est que la fracture sociale, elle n'a jamais été aussi forte. Euh, il n'y a jamais autant de, de riches et de très riches et autant de, de pauvres, et même maintenant des travailleurs pauvres. Mmh. — euh, Là, quelque concerne. part, il avait vu juste. Il avait mis au moins des mots sur une réalité. Voilà, mais sauf que quand on est euh, président de la République et aux premières manettes du, du pouvoir, au-delà des mots, c'est des actions qu'on veut. Donc on en on veut, veut des, et en et et on plus. veut et on veut surtout des résultats. Donc euh, sur la fracture sociale, pour le coup, je pense que c'est un peu loupé. Et euh, sur la, la question de la maison qui brûle et on la regarde brûler, on regarde aujourd'hui euh, ce qui arrive dans l'environnement, ce qui arrive en termes de réchauffement climatique. On peut pas dire que les choses soient améliorées. Donc nous, ce qu'on aime à la CGT, c'est juger sur les actes, juger sur les résultats. Et pour le coup, le bilan, euh, il est maigre. Il est maigre pour vous. Alors, on va rentrer. Merci pour ces deux témoignages sur le président Chirac, qui a été donc, je le rappelle, inhumé lundi. Euh, rentrons dans ce débat des retraites-là. Pour le coup, on va se projeter un tout petit peu. Ça va être peut-être un détournant de ce quinquennat. En tout cas, c'est présenté comme ça, surtout sur le point de vue de la méthode. Euh, Benoît Simian, vous êtes député de la majorité présidentielle. On a un nouveau débat donc, sur les retraites. Il y a eu le grand débat national pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment en attendre quelque chose Est-ce que c'est ça le... L'acte 2 du quinquennat, cette respiration, il y a un mot qui revient, c'est celui de pédagogie, de concertation. On peut vraiment entendre quelque chose L'acte 2 doit se faire avec les territoires. Et en effet, le bilan de cette première partie du quinquennat est qu'il y a eu un problème dans la méthode. Ce pourquoi tout le monde s'est pris les doigts dans la prise sur des réformes qui pourtant. Sont bonnes et étaient justes. Si je prends le sujet des collectivités locales, jamais autant n'a été fait que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir pour aider et les collectivités avec le maintien des dotations Et pourtant, ça chouine dans tous les sens. Et en effet, à l'heure du congrès de région de France à Bordeaux, euh, tous les élus crient à la baisse de dotation. Or, c'est tout le contraire. Donc on voit bien. Euh, et le président de la République a raison de descendre dans l'arène, mmh. qu'il faut faire œuvre de pédagogie avec les députés qui doivent être aussi sur le terrain pour expliquer inlassablement. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas de courroie de transmission dans les conseils municipaux, etc., pour expliquer ce sera à nos citoyens. Ça sera peut-être l'étape C'est l'étape avec les municipales, mais tout cela prendra du temps. Mmh. Euh, on le voit dans l'histoire de la Ve République. Euh, L'ancrage territorial. Mais prend concrètement, des décennies. Benoît Simion, est-ce qu'on peut en attendre quelque chose quand on est un observateur Est-ce que ça peut faire bouger les lignes Et je, on verra avec dès Stéphane Obiès qu ce qu'il en pense. Dès qu'il y a débat, concertation, participation, c'est positif. Et c'est ce que nos concitoyens. Demande. Euh, donc il y a en effet des rapports, on appelle ça des aides à la décision pour le les responsables politiques que nous sommes. Je me souviens à l'époque de la réforme ferroviaire du rapport Spinetta qui avait été enterré. En effet, on a plutôt euh, privilégié les pistes du rapport Durand. Euh, D'ailleurs, j'y participais avec euh, Barbara Pompili et Mathieu Orphelin. Euh, et on voit bien que tout ça sont des outils d'aide à la décision. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le temps est au débat, à la concertation. Le président de la République va descendre dans l'arène. Euh, à Rhodes, euh, avec ce euh, sorte de grand débat, cette consultation citoyenne sur les retraites, c'est sain et c'est ce qui doit s'annoncer pour l'acte 2 de saint dans la méthode euh, beaucoup plus girondine à construire avec les territoires. Stéphane Aubé, alors vous en pensez quoi vous On a un rapport, je vais refaire le, le, le scénario, on a un rapport, le rapport de Levoix, 18 mois de concertation, les partenaires sociaux y ont participé. Ce rapport a été remis à Emmanuel Macron et, et là maintenant on est reparti pour une nouvelle phase de concertation. Vous dites quoi à la CGT Tant mieux, on va pouvoir obtenir des choses Ou vous dites attention, là c'est de la grosse ficelle et là encore, il faut regarder les choses très concrètement. Donc, effectivement, il y a eu 18 mois de concertation à laquelle la CGT a participé. Et On ressort le 18 juillet un rapport de M. Delevoye avec 130 pages de préconisations au gouvernement. Pas un mot, pas une phrase, pas une page euh, concernant les revendications de la CGT. Donc, on a participé à des concertations et on voit bien aujourd'hui quel est le résultat c'est que dans le rapport de Delevoye, déposé le 18 juillet, il n'y a aucune euh, proposition de la CGT qui a été retenue euh, dans ce rapport. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que le Haut, le, le haut Commissaire, commissaire. Pardon, le haut Commissaire, euh, sur les retraites, M. Delevoye, qui, euh, qui a apporté ce projet-là, qui quelques jours après devient, euh, rentre gouvernement. au gouvernement, euh, on voit bien que c'est lui qui a euh, rédigé ce projet-là. Il ne va pas nous faire le contraire euh, dans, quelques, dans quelques temps. Pourtant, il y, a eu, il y a eu une avancée, Stéphane Aubé. On était parti avec ce rapport sur un âge pivot à 64 ans, et le président de la République, Emmanuel Macron, a dit, moi. Je préférais un accord sur la durée de cotisation. On n'a pas la même lecture. Euh, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, le gouvernement tergiverse. Euh, on nous parle d'âge pivot, on nous parle d'âge euh, d'équilibre, on nous parle d'âge légal. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, et ça, les, les Français, les salariés l'ont compris, c'est qu'on veut nous faire travailler plus longtemps pour gagner moins. C'est ça qu'il y a dans le rapport de Levoix. Benoît Simon. Alors, on, doit, on va travailler plus longtemps, ça c'est acté, parce que euh, faut, faut s'y retrouver. L'âge légal de départ à la retraite c'est 62 ans. Le rapport dit on n'y touche pas, mais on préconise un âge d'équilibre, un âge pivot à 64 ans. Du coup, pour avoir une retraite à taux plein à 100%, il va falloir travailler plus longtemps. Ça c'est acté. Voilà, il y a eu un vrai euh, débat euh, à un moment donné mmh. dans les euh, cogitations sur le rapport de Levoix, vous vous souvenez, avec ce, ce, cet âge légal des 62 ans. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il y a eu un arbitrage sur le sujet euh, et tout cela a été tranché 62 ans. Euh, après, ce qui compte, moi, ce qui était... 62, 62 ans, c'est très bien, ce, mais si ce, vous n'avez pas votre retraite ce, à taux ce, plein, vous ce qui compte, Ce qui compte, en effet, c'est qu'un euro cotisé à EDF ou la SNCF soit égal à un euro cotisé... Euh, par exemple, euh, pour les hospitaliers euh, ou pour le privé. C'est la fin du corporatisme, oui, parce que aussi, ce n'est pas aux contribuables de payer en effet le déficit de tel ou tel mmh. régime. Tout cela ne va pas se faire d'un coup d'un seul en six mois, un an. Tout cela va être lissé euh, sur euh, plusieurs années, euh, voire des décennies, euh, pour arriver 2025 vers euh, 2025. Mais, en mais rigueur, néanmoins, quand on regarde un peu plus dans les détails, c'est lissé sur 15-20 ans. On Tout cela, -ce aujourd'hui, il y a 42 régimes de retraite en France. Est-ce qu'on va travailler plus longtemps Aujourd'hui, ce n'est pas souhaitable. En revanche, le système par point me paraît un système juste pour les plus précaires. Et c'est le combat de la CGT que je partage. Aider les plus précaires, les travailleurs pauvres, euh, les femmes euh, qui souvent ont sacrifié une partie de leur vie professionnelle pour élever les enfants. Donc, en effet, vont pouvoir bénéficier euh, d'un point majoré. Donc, on voit bien que la réforme qui est proposée est une réforme juste. Après, vous disiez, euh, le débat avec les syndicats, c'est fini. Non. Le débat... Commence juste la concertation avec les organisations, vous le savez, syndicales, euh, débute juste. Et je fais confiance à Jean-Paul Delevoye, avec nous parlementaires, pour co-construire ensemble la meilleure des réformes. Mais cela, comme disait Jacques Chirac, euh, doit prendre du temps. Et on n'est pas aux pièces. Tout cela ne va pas peut-être atterrir d'ici euh, la fin de l'année. Euh, tout cela atterrira probablement euh, sur l'année euh, 2020. Moi, je fais confiance à la concertation. Le seul objectif, et ce qui compte, c'est une réforme juste et solidaire pour nos concitoyens. Stéphane Aubé, qu qu'est-ce qu que vous attendez concrètement, vous, à la CGT Vous dites quoi Il faut sanctuariser des choses. Donc l'âge légal, on a bien compris, c'est sanctuarisé, c'est 62 ans. Mais si ça ne donne pas droit à une retraite à taux plein, ça ne change rien. Il n'y a rien qui est sanctuarisé dans ce, dans ce projet. Euh, ce projet est profondément injuste et la réforme qui se profile est profondément injuste. Donc, euh, nous, clairement, à la CGT, on est contre ce, ce projet-là. Y compris parce la que... fin des régimes spéciaux, parce que je rappelle quand même que derrière euh, de, de, de la question de l'âge, en tout cas, ou de la de durée de cotisation, il y a la volonté d'en finir avec les 42 régimes spéciaux qui font aujourd'hui toute l'originalité de, de, de de du système des retraites en France. Est-ce que ça, c'est pour aller vers un système universel, comme l'expliquait euh, le député Benoît Simian, un euro cotisé donne un euro de droit équivalent est-ce que nivelé par le bas euh, les droits des salariés, est-ce que c'est quelque chose de juste Nous, on Vous pense que, que non. Mettre non. à place les 42 régimes spéciaux, ces niveaux les les spéciaux, prennent en compte des spécificités de métier, notamment la pénibilité, le travail de nuit, le travail de 3-8. Ce le, qui explique le, que certains le, peuvent partir plus tôt. En explique, voilà, donc euh, certains mmh. régimes spéciaux permettent de, de mmh. partir plus tôt parce qu'elle prend en compte la pénibilité. Et ça, ça fait partie de nos revendications. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, au contraire, de vouloir supprimer les régimes spéciaux, il faut l'étendre à la pénibilité, la reconnaissance de la pénibilité, il faut l'étendre à tout le monde. Donc au-delà d'être contre ce, ce projet-là, qui est profondément injuste. Nous, on a également des propositions. Et Notamment, c'est lui de répartir plus justement la, la richesse qui est créée par les salariés dans ce pays. Euh, on est quand même sixième, sixième puissance économique euh, mondiale. Euh, cet argent-là, qui est distribué et en dividendes, encore euh, le premier trimestre 2019, c'est 51 milliards en dividendes. Les baisses de cotisations qui sont euh, octroyées... – Ce au, que vous dites, c'est que l'argent est, est mal, mal utilisé. – Mais complètement. – qui... Venez avec pl... moi à la commission. Des finances, c'est pas simple tous les jours pour trouver euh, l'équilibre budgétaire que nous n'aurons jamais euh, vu la situation que nous laissent nos aînés. Euh, moi, ce qui compte pour moi, le seul objectif, c'était comme pour la réforme ferroviaire. Je disais, mon objectif, c'est sauver le rail, le service public du rail. Mais là, c'est pareil, le seul objectif, c'est sauver le système de répartition. Si nous ne faisons rien, nos enfants et nos petits-enfants ne pourront plus bénéficier de ce système Alors, de répartition qui est unique au monde. Au même titre, le, vous le savez, la sécurité sociale... Quand on a l'habitude de couper la parole à, à les intervenants. J'avais pas, pas, euh, voilà. pas fini mon intervention. Stéphane, oui. Ce que je parlais, c'était d'une juste répartition des richesses. Et notamment, donc Monsieur le, le député euh, nous explique qu'ils ont du mal à trouver de l'argent. Par contre, ils n'ont pas du tout de mal à trouver euh, l'argent quand il s'agit de baisser les cotisations, euh, notamment euh, des patrons. On a aujourd'hui euh, les, euh, les salaires qui sont exonérés euh, de charges sociales euh, à deux fois et demi euh, le SMIG. Donc, les cotisations, il faut le rappeler. Et c'est tout l'amalgame qui est notamment dans, dans la bouche de Monsieur le député. Il fait l'amalgame entre impôts contribuables, c'est ce qu'il disait, et et, euh, et cotisations. Les cotisations sociales, que vous appelez des fois charges, sont en réalité du salaire. Et nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il doit y avoir des augmentations de salaire, donc une répartition des richesses un peu mieux euh, re redonnée aux, aux salariés, des créations d'emplois, des améliorations de conditions de travail. Et tout ça permettrait d'avoir une protection sociale qui euh, serait un peu plus juste et permettrait notamment aux salariés de partir à 60 ans maximum avec une prise en compte de la pénibilité, comme le permet aujourd'hui certains euh, ce régimes spécifiques. C'est indispensable que, ce que propose la CGT, Benoît Simion, je, au lieu de faire des dividendes Je, je ne crois pas un peu euh, mieux. aux oppositions stériles et à la lutte des classes. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler dans la même direction, rassembler notre pays euh, pour aller vers la sauvegarde de ce système de répartition. Au même titre, je le disais, que nous sommes attachés au système qu'est la sécurité sociale, euh, qui désormais est à l'équilibre, mais il faudra aller plus loin là aussi parce qu'il y a des abus. Donc. Il faut regarder euh, ce sujet-là sans dogmatisme, euh, avec pour objectif euh, sauver ce système de répartition, tout en respectant les droits acquis. Moi, je suis très attaché aux droits acquis, et là, euh, le haut commissaire, le ministre Delevoye, a très clairement dit que les droits acquis euh, jusqu'en 2025 seraient respectés, y compris le calcul des six derniers mois. Euh, donc, tout cela va se faire en dans le cas, temps, dans l'intérêt voilà, des générations on, futures. On a, on a, je crois on a il compris, faut mais... arrêter d'agiter les chiffons mmh. rouges au même titre est-ce que c'est pas, pas emmanuel macron qui prend acte du fait que maintenant il est dans, après la crise des gilets jaunes il ne peut plus réformer comme il a commencé à le faire. On n'a pas... Le, le Emmanuel Macron d'aujourd'hui n'est pas celui de septembre 2017 qui signe les ordonnances travail, qui passe avec un calendrier toujours plus accéléré, où il faut toujours faire du mouvement. Là, on a l'impression, vous le disiez vous-même, il faut prendre du temps. C'est le, le, la machine de machinerie. — Nous avons Alors, été élus sur un programme on vous, on vous rejoint sur pour le mener fait des que réformes, pas pour... — Alors euh, je sais pas qui c'est qui doit voilà, prendre allez, la allez, à chaque — Allez-y, Stéphane On voit bien qu'aujourd'hui, on est face à un pouvoir qui marche sur des oeufs, effectivement, puisque euh, les salariés et les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que ce que veut faire ce gouvernement, c'est encore une fois taper sur ceux qui créent les richesses dans ce pays, les salariés. Donc effectivement, on nous explique d'un côté qu'on va travailler plus longtemps et toucher moins. Le, le fond de ce c'est pas tout à fait ce qui était dit puisque les, les droits sont acquis. Ah non, bah, au, au final, les droits ne sont pas acquis, pas du tout. Parce que ce qu'on nous explique dans le rapport de Levoix, donc euh, le projet de réforme, c'est qu'on veut transformer un régime, un régime par répartition à prestations euh, définies, et les, les, les mots sont importants. Aujourd'hui, prestations définies, ça veut dire que vous savez, à, si vous partez à tel âge, combien vous toucherez. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est ce euh, mettre en place un régime par point. C'est-à-dire que le, le point qui sera euh, cotisé, euh, ne, on ne sera pas à combien il vaut quand on partira à la retraite. Donc il sera déterminé en fonction de, de facteurs économiques, en, facteur, en fonction de facteurs démographiques. On ne le sait pas. Et donc, euh, combien vaudra le point demain euh, Ce qui est sûr, c'est que dans tous les pays où on a mis un, un système par point, les retraites ont baissé de 10 à 30%. 30%. Donc ça, c'est de fait. Et si vous regardez ce Il suffit de regarder ce qu'il y a autour de nous. Euh, on peut le mesurer. Et nous, on l'a encore mesuré. Encore le, le, le corps l'a fait. C'est qu'ils euh, ont fait des, euh, des extrapolations. Et on voit bien qu'on euh, est sur ça. On est sur de 10 à 30% de pensions en moins. Vous craignez que ce soit un débat euh, difficile à mener, Benoît Simion, au-delà des, des positions Je, ouais. je crains... Euh, D'abord, je regrette que ce sujet, en 2019, soit toujours sur la table parce que j'ai l'impression, depuis que je suis gamin... Tous les gouvernements se sont cassés les dents. On parle tout le temps des retraites 95, parce que, justement, la dernière réforme, c tout, le monde, Chirac, justement. tout le monde... Tous les gouvernements ont toujours reculé parce que, souvent, les réformes, il faut le dire, étaient faites avec un parti pris ou un dogmatisme certain. Là... On a un président de la République avec euh, Jean-Paul Delevoye qui met clairement le dossier sur la table, sans parti pris, sans dogmatisme, avec la volonté euh, de protéger euh, les travailleurs pauvres, le travail pénible, euh, les femmes euh, avec des enfants. Euh, donc tous ces, tous ces critères-là sont pris en compte, ce qui n'était pas le cas dans les précédents échecs, c'est pourquoi les réformes avaient échoué. Il faut s'en souvenir. Là, on a un président de la République, en effet, qui, dans la méthode, avance sans dogmatisme. Donc, je peux comprendre que tout cela soit anxiogène. Moi, je vais vous dire, le jour où il y aura un simulateur qui va rassurer tout le monde en ligne, et ça doit être possible, je pense qu'à partir de là, les craintes... Ils vont s'estomper, mais on voit bien qu'on est sur le temps long. On est là sur il 2025. Là il faut enfin, on a surtout l'impression voilà. qu'il faut déminer. Je me suis beaucoup investi sur le sujet de la réforme ferroviaire. Euh, la CGT criait aussi, avant d'avoir mal, cette réforme-là. L'objectif, c'était quoi C'était de donner les armes à la SNCF pour qu'elle soit concurrentielle demain. Parce que si on n'avait rien fait. C'était une entreprise a pas ferroviaire qui. Les, les pannes qui... à répétition mais, et tout ce qu'on connaît. Non mais attendez, ça, c'est les pannes et on ne va pas rentrer dans la mécanique. Non, non, je non bien parle entendu. Une mais... stratégie euh, industrielle mmh. pour ce fleuron national euh, qu'est notre entreprise ferroviaire. Mais là, c'est pareil. Sur la réforme des retraites, l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est sauver le système des répartitions. Moi, je veux que mes enfants et mes arrière-petits-enfants puissent bénéficier que, des que, mêmes euh... conditions que moi plus tard et en effet sans corporatisme et c'est l'ancien cheminot qui vous parle. Mais, Moi, mais je pense que je, je dois avoir les mêmes droits que mes parents qui ont ouais. cotisé à l'hôpital, ce qui n'était pas tout à fait le cas à la SNCF. Et je ne crois pas faire un travail plus pénible à la SNCF ouais. hier que mes parents à l'hôpital avant-hier. Benoît Simir, vous, vous avez vu que la semaine dernière, il y a déjà eu un couac avec cette volonté, ce projet de, du ministère du Travail de supprimer une aide aux personnes âgées qui employaient justement des aides à domicile. Il y avait une, une, la fin d'une défiscalisation de, ce, de cette aide-là qui était dans les tuyaux. Ça a été annulé en 24 heures. Tout le monde a fait marche en arrière. On peut se dire qu'à euh, l'heure où euh, le gouvernement met en avant la concertation, ça ne se parle pas beaucoup au sein du gouvernement. Donc est-ce qu'on peut légitimement se dire que d'autres mauvaises surprises sont à craindre Ou, moi, je ne, suis pas, la vigilance, je ne euh... suis pas député du gouvernement. J'étudie les textes en bon parlementaire, en tant que législateur. Et lorsque je crois une cause juste, je la défends. En l'occurrence, sur ce sujet des aides à domicile, je me suis élevé euh, immédiatement contre cette annonce que j'ai appris dans la presse. J'ai fait entendre euh, ma petite voix fortement euh, à Paris en disant que c'était euh, immoral vis-à-vis -vis de nos aînés et politiquement inflammable compte tenu de la période que nous vivons. Immédiatement, le Premier ministre a fait les arbitrages et les recadrages enterrer, nécessaires vis-à-vis -vis notamment de sa ministre du Travail qui avait fait les annonces sans concertation sur ce sujet-là. C'est des sujets, vous savez, qui sont extrêmement importants. Vous parliez tout à l'heure de la fracture sociale pour nos campagnes. Moi, en Médoc, les emplois à domicile, c'est le premier employeur local. Et ça, c'est de l'emploi non délocalisable. Je préférerais en effet que l'on parle de la revalorisation des salaires de ces personnels-là qui ne sont même pas soumis au barème kilométrique aujourd'hui du régime fiscal. Et là, la CGT euh, a de vrais combats à mener pour les hospitaliers, pour ces travailleurs route... Euh... — Il y a, y a oui, un vrai boulot à mener je... pour ces je... travailleurs pauvres. On écoute, Monsieur le député, sauf que, euh, je suis désolé de vous le dire, nous, on ne fait pas de la poésie, euh, on essaye de regarder les choses très concrètement. Ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de, de salaires euh, bas, et c'est dû à des politiques gouvernementales. Je vous en parlais, l'exonération à 2,5% du, du SMIG, qui, qui fait que les, les patrons euh, maintiennent des bas salaires. Ça a un impact sur la retraite. Euh, la cotisation, c'est du salaire. Euh, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut regarder, il ne faut pas regarder que euh, le chiffre qui est en bas à droite, le net, il faut regarder ce qui est en haut aussi, c'est le brut, les cotisations. Euh, le net permet de se venir à ce qu'on euh, a besoin au quotidien. Le, le brut, donc les cotisations sociales, ça permet de, de, de répondre aux besoins tout au long de la vie, dans les retraites. Et, euh, et c'est ça qu'il faut regarder. Donc toute la politique qui est menée aujourd'hui, et quand vous dites que le gouvernement ne fait pas de dogmatisme, il en fait, il en fait puisque de fait, euh, il écarte les, les, les capacités de recettes supplémentaires qui pourraient être prises dans, dans, dans la poche des financiers, qui pourraient être prises dans la poche du patronat et Lesquelles ne veut... Lesquels Lesquels euh, Ceux du CAC 40 par exemple. On a, des, on a, on a, on a des, des fortunes et des, des chiffres faramineux qui fait qu'aujourd'hui on a 26 personnes dans le monde qui détiennent la taxe autant que la moitié de l'humanité. On a 5% de la population la fortune française qui détient autant que 40 sur la que, que Il faut tout mettre sur la Moi, table. Je suis la finances, alors je suis très à et les et richesses qui sont créées dans ce pays Qui sont créées par les salariés. C'est les salariés qui les créent ces richesses. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'on a 51 milliards de dividendes qui sont donnés, on a d'un autre côté 200 milliards. 200 milliards d'exonération d'impôts de, de, et de cadeaux fiscaux qui est donné au patronat. Et donc on va nous dire, euh, ça Mais on n'y touche pas, en pleine dans ça la lutte des classes. On est, on est, moi je pense qu'on a besoin on chose, de nos problème, petits patrons on pour faire, faire de, de l'emploi très, locale, très pragmatique. Parce, parce qu'aujourd'hui vous, vous êtes sous les, sous les charges. charges ouais. y il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc euh, d'un côté oui. on, on, va faire cadeaux, on va faire 200 milliards de cadeaux fiscaux et de l'autre côté on va vous expliquer parce que comment on veut casser de l'emploi, comment on va enlever 120 000 fonctionnaires, il va manquer 7 milliards. Vous savez, à côté entre vous et moi, et, 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 et je ne suis pas un élu hors sol, j'étais cheminot il y a quelques mois, maire d'une commune en banlieue bordelaise, c'est que vous êtes un utopique et je suis un pragmatique. Et vous l'avez très justement dit, euh, je ne suis pas un poète. Stéphane Aubé, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on finisse sur ce, au moins euh, sur ce sujet-là. Vous l'avez dit, le gouvernement marche sur des œufs. Il y a au moins une, une annonce qui a dû vous intéresser, c'est que au début du quinquennat, on part sur 50 000 suppressions de postes de fonctionnaires. À l'arrivée, ça va être à peine 15 000. Il y a une vraie machine là pour le coup. Le gouvernement fait là aussi machine arrière. C'est déjà une première victoire selon vous. On attend de voir ce qui va devenir, parce que toujours pareil, le, ce gouvernement, dans ce moment-là, on voit bien qu'on a un président qui regarde 2022 avec intérêt et se pose la question si le contexte social va lui permettre d'aller jusqu'au bout de son programme, qui est un programme de cas social. Donc... Benoît Sémillant, on était parti sur 50 000 suppressions de postes. On se souvient des interviews d'Olivier Dussopt, le, le secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. Euh, C'était 50 000. Aujourd'hui, on est à 10 005. Là, tout, 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 tout d'un coup, tout s'est paralysé. Euh, on n'y touche plus. C'est fini. Je ne crois pas à l'approche comptable depuis Paris. Je crois. C'est que ça, euh, cette réforme. Une non, approche purement comptable au est... bon sens de terrain. Et vous savez, la solution pour baisser la dépense publique Quelle est la solution pour baisser la dépense publique c'est plus de décentralisation, c'est faire des économies au plus près du terrain. Parce que ce n'est pas depuis Paris que l'on connaît telle ou telle ressource à supprimer ou à rajouter dans tel ou tel service public. En revanche, là où la plaie est béante, c'est sur les sujets sociaux. Et dans une période où nous allons travailler sur plus de décentralisation, il ne faut pas s'interdire de, de reconcentrer, sans... de redonner à l'État, en effet, des compétences que j'estime régaliennes. Que sont le social parce qu'on voit que les collectivités sont défaillantes. Je peux vous parler de la protection à l'enfance, je peux vous parler du handicap, euh, tous ces sujets. En effet, je trouve que nos concitoyens doivent avoir le même traitement qu'ils habitent en Corrèze ou en Gironde. Stéphane Aubé, pour finir, est-ce qu'on doit s'attendre à euh, pas une rentrée parce qu'elle est passée maintenant, mais un automne social un peu plus marqué, un peu plus soutenu Avec ah ben complètement. Euh, en tout cas, nous à la CGT, on y travaille mmh. puisqu'on a déjà euh, posé un acte de, de grève. Et de mobilisation le 24, le 24 dernier, euh, qui a été euh, quand même fortement euh, suivi puisqu'on a eu 2500 euh, manifestants dans, dans les rues euh, à Bordeaux, euh, 150 000 dans le pays. Euh, c'est pas rien pour un début. C'est le, le début le, de quelque chose. Voilà, c'est une dynamique euh, de contestation euh, qui, est, qui est en marche, ça c'est sûr, de ce côté-là. Et euh, ce qu'on nous on pose, c'est que les salariés qui aujourd'hui on voit bien sont dans l'expectative, parce que euh, le gouvernement euh, annonce, fait des contre-annonces. Euh, nous parle de débats, de grands débats, de concertation, puis après de négociations. Mais après ils reviennent euh, sur d'autres, euh, sur une autre sémantique. Donc on voit bien que l'idée, c'est d'enfumer, c'est un peu euh, tout, tout le, tout le, tout le, tout le, le monde qui, qui est autour de nous, euh, notamment les salariés. Donc nous, ce qu'on ce qu pose, c'est que euh, regardons les choses qui sont écrites, regardons les actes qui sont posés. Un rapport posé le 18 juillet qui prévoit de faire travailler plus longtemps. Euh, celui qui l'a posé rentre au gouvernement pour menester. Réforme-là. On a des annonces qui nous disent qu'ils vont le mettre en place, donc aux salariés de se mobiliser. Donc, nous, ce qu'on appelle, c'est des assemblées générales partout dans les entreprises pour parler et analyser ce qu'il y a dans les textes, dans les projets, et euh, à chacun de, de voir comment il peut construire la mobilisation dans l'entreprise. Benoît Simon, pour finir, en 30 secondes, finalement, euh, chacun doit se saisir de ce texte et le lire et en faire sa religion Je pense que l'heure euh, est au dialogue. Euh, nous avons plusieurs mois pour cheminer vers une réforme qui, Sauve ce système de répartition auquel euh, nous nous rejoignons. Nous sommes tous très attachés. Euh, donc il faut travailler d'arrache-pied pour offrir euh, le meilleur des systèmes aux générations futures. Si on est attaché, il ne faut pas le casser. Affaire à suivre donc. Merci messieurs Stéphane Aubé, nouveau secrétaire général de la CGT33, Benoît Simian, député LREM du Médoc. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci.